is calling Molassen. Molassen was the last king from Granada. And it's 3,684 meter height. And the other highest point from the Sierra Nevada, it's calling Pico de la Veleta. And those are not the highest point that we have in Spain. The highest point that we have in Spain, it's in the Canary Island, it's in Tenerife, it's calling El Teide. But there we're starting to see those mountains, and later on we will have wonderful view with the Sierra Nevada and the full tops from the mountain cover with snow. Eh bien, mesdames et messieurs, on va commencer à percevoir dans quelques minutes sur notre droite et en face de nous la fameuse chaîne de montagnes qu'on appelle la Sierra Nevada. C'est situé à 35 km après la ville de Granada. C'est un des points les plus importants en Espagne et surtout en Andalousie pour venir skier. Le point le plus haut s'appelle le Molassen. Molassen, c'était le dernier roi de Granada. Et on dit que son corps est enterré d'ailleurs là en haut. C'est à 3684 mètres d'hauteur. Et le second point le plus haut que nous avons sur la Sierra Nevada, eh bien, c'est le Pic de la Velette. Mais ce ne sont pas les points les plus hauts d'Espagne. Le point le plus haut d'Espagne se trouve dans les îles Canaries, à Tenerife. Il s'appelle le Teide. La Sierra Nevada, comme je vous l'ai dit, est donc un des points les plus importants que nous avons ici pour venir skier. Et c'est de là que nous avons d'ailleurs une ville où nous avons une des sources très importantes qui sont les fameuses sources de Lanjarote. C'est de l'eau excellente, c'est un peu comme les viandes, mais c'est excellent. Madame Tuncher, in dem Moment will Sie sehen, um die rechte Seite von dem Weg, die große Bergkette, die wir haben hier in Andalusie, das heißt die Sierra Nevada. Sierra Nevada ist eine von den größten Skiresorts, die wir haben hier in Spanien. Und das ist 35 Kilometer nach der Stadt Granada. Und die höchste Punkte heißt die Molassen. Molassen ist der letzte König von Granada. Und das ist 3684 Meter hoch. Die zweite höchste Punkte von der Sierra Nevada ist die Pico de la Veleta. Aber das sind nicht die höchsten Punkte von Spanien. Die höchsten Punkte von Spanien sind in die Kanarische Highland in Tenerife und das heißt El Teide. Qui alla destra in un momento vamos a vedere la catena di montagna che si chiama la Sierra Nevada, punto di incontro per la gente che le plasca a se este deporte tan bonito che se le schiare. Sierra Nevada è 35 km dopo della città di Granada. E il ponte più alto si chiama Molassen. Molassen era l'ultimo re di Granada. Sono 3684 metri di altura. E il secondo picco più alto della Sierra Nevada si chiama il Pico della Veleta, però non sono il punto più alto di Spagna. Il punto più alto di Spagna si incontra nell'isola Canaria, in Tenerife, e si chiama il Teide. Now you can starting to see the snow on the top of the mountain in front of us, what you see shining. Hein, ce que vous voyez briller là-bas, c'est donc déjà les sommets de la Sierra Nevada couverts de neige. Hein, ce que vemos aquí en frente, cubierto, hein, que brilla un poco, es la nieve que hay en la cima de la montagne. Là, comme vous avez vu, vous avez begin zu sehen, der Schnee darüber in die Berge, là vor uns, das ist die Sierra Nevada. Pues en un par de minutos vamos a ver a la derecha un pequeño aeropuerto que a las 7 llegamos a Santa Fe, 18 kilómetros de Granada. Es más bien un aeropuerto nacional que internacional con vuelo desde el norte de España, Madrid, Barcelona y también desde la ciudad de Melilla, que es una ciudad que tenemos en el territorio marroquí, en la costa marroquí, Melilla. Now, ladies and gentlemen, in a few seconds on the right hand side, you will see a small airport in Santa Fe. That means that we are 18 kilometers from Granada.
And it's more a national airport than international, with planes coming from the north of Spain, Barcelona and Madrid, but also from one town that we have in the Moroccan coast, and it's called Melilla. And it's one of the two Spanish towns that we have in the Moroccan coast. Ici, dans un instant, sur notre droite, nous allons voir un petit aéroport. C'est l'aéroport de Santa Fe. Ça veut dire qu'on est à 18 km de Grenade. L'aéroport est plus national qu'international, avec des vols du nord de l'Espagne, de Barcelone et de Madrid, mais également d'une ville que nous avons sur le territoire marocain, sur la côte marocaine, et qui s'appelle Melilla. C'est une des deux villes que nous avons donc sur la côte marocaine, Melilla et Ceuta. Hier op die rechterzijde zijn we aan een kleine vluchthaven, dat heet dan Santa Fe. Dat wil zeggen dat we 18 kilometer zijn van de stad Granada. Dat is meer een nationale vluchthaven dan nationale vluchthaven, meer dan internationale, met vluchtzeug uit die noord van Spanje, Barcelona en Madrid. En ook uit de stad dat we hebben in die Marokkanische kust, dat heet. Das heißt Melilla, das ist einfach bis zwei Städte, die wir haben in die marokkanische Küste, Ceuta und Melilla. And if you're looking to the board on the road, you will see FTE Vaqueros, that means Fuente Vaqueros. That's the place where is born that very important poet that we had here in Spain, Federico Garcia Lorca. That's 8 kilometers from here on the left-hand side. Vemos en los paneles de la carretera Fuente Vaqueros, es el lugar de nacimiento de este poeta tan importante que era Federico García Lorca, a 8 kilómetros a la izquierda, el pueblo donde nació y donde está hoy en día el museo Federico García Lorca. Ici, vous voyez sur les panneaux indicateurs FTE Vaqueros. Ça veut dire Fuente Vaqueros, c'est-à-dire c'est le village où est né ce grand poète qui était Federico García Lorca. C'est à 8 km ici sur la gauche, c'est là qu'il y a sa maison natale et également c'est là qu'il y a au jour d'aujourd'hui le musée Federico García Lorca. Om die borden in de straat, kan je zien die namen van Fuente Vaquero, dat is die geboorteplaats van deze grote poëet, die was Federico García Lorca. Dat is 8 kilometer van hier aan de linkerzijde, en dat is die plaats waar hij zijn huis, waar hij geboord is, en ook heute een museum van Federico García Lorca. En daar hebben we die kleine vluchthaven hier aan die rechterzijde. Pues, señoras y señores, llegamos a Santa Fe. Santa Fe es muy importante en la historia de Granada, que es aquí, que el 2 de enero del año 1492, el último sultán de Granada, que se llamaba Boabdil, el hijo de Bulacén, entregó la llave de la Alhambra y de la ciudad de Granada al rey católico Isabel y Fernando. También un par de meses más tarde, aquí firmaron Isabel la Católica con Cristóbal Colón lo contrato para hacer los viajes de descubrimiento. Y por esto que el 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón encontró el Nuevo Mundo, y aquí en España el 12 de octubre, un poco como la fiesta nacional, es el Día de la Hispanidad. Now, ladies and gentlemen, we are arriving in Santa Fe. Santa Fe is very important in the story of Granada. Well, it's here that the 2 of January of the year 1492, the last sultan from Granada, calling Boabdil, it was the son of Bulacén, gave back the key from the Alhambra and from Granada to the Catholic king, Isabel and Fernando. Also, a few months later, Isabel the Catholic with Christopher Columbus signed here the contract to make the discovery trip. And if you remember, the 12th of October of the year 1492, Christopher Columbus found the New World, and it's why here in Spain it's a very important day. It's like the National Day. It's calling the Day of the Hispanidad, the 12th of October. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à Santa Fe. Santa Fe est très important dans l'histoire de Granada, car c'est ici que le 2 janvier de l'année 1492, le dernier sultan de Granada, qui s'appelait Boabdil, qui était le fils de Bulacén, a rendu les clés de l'Alhambra et de la ville de Granada au roi catholique Isabel et Fernando.
Également, quelques mois plus tard, ici dans ce même endroit, Isabelle la Catholique a signé avec Christophe Colomb les contrats pour faire le voyage de découvrement. Et c'est ainsi que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde. Et c'est pourquoi ici en Espagne, c'est une journée très importante, c'est un peu la fête nationale. Ça s'appelle la journée de la Hispanidad. Hier sind wir in Santa Fe, sehr belangreich in die Geschichte aus Granada. Den 2. Januar auf dem Jahr 1492 hat hier Boabdil, der letzte Sultan von Granada, der Sohn von Mulhacén, die Schlüssel zurückgegeben von der Alhambra und von der Stadt Granada zu den katholischen Königen Isabel und Fernando. 2 Monate später hier hat getagen Christoph Colomb mit Isabel die Katholische die Kontrakt, um die Entdeckungsreise zu machen. Und den 12. Oktober vom Jahr 1492 hat Christopher Columbus die neue Welt entdeckt. Und darum hier in Spanien ist das eine sehr belangreiche Urlaub. Das ist so als die nationale Fest, das heißt die Tag von der Hispanidad. Pues señoras y señores, Granada es una capital de provincia de medio tamaño, con 310.000 habitantes, más 60.000 estudiantes cada año. Es una ciudad universitaria muy importante, y las dos facultades, las más importantes, son las de medicina y la de farmacia. Now, ladies and gentlemen, Granada is a capital from province from medium size, with 310,000 inhabitants, plus 60,000 students each year. It's a very important university town, and the two most important universities from this town are the one of medicine and the one of pharmacy. La ville de Granada est une capitale de province de moyenne taille avec 310 000 habitants, plus 60 000 étudiants chaque année. C'est une ville universitaire très importante et les deux universités les plus importantes sont celles de médecine et celles de pharmacie. La ville de Granada est une capitale aus province avec 310,000 Leute, die da leben, plus 60.000 Studenten jedes Jahr. Das ist eine sehr belangreiche Universitätsstadt und die zwei berühmten Universitäten hier sind diese vom Apotheker und diese vom Arzt. La Ciudad de Granada ist una capital di provincia de medio tamaño, 310.000 Abitanti, più 60.000 Studenten cada anni. È una ciudad Università molto importante, le due facoltà la più importante della città sono la di farmacia e la dei dottori. La città fu empezata a costruire entre tre piccole colline, la prima si chiama l'Alhambra, che vamos a visitare más tarde, e Alhambra viene dell'arabe che era decía la roja, per la color de las piedras che utilizzarono per costruire questo monumento. Y cuando el sol baja en final de tarde, todo tomaba un color rojo, un color de fuego. Por eso que los musulmanes la llamaron Alhambra, la roja. La segunda colina es el famoso Sacramonte, donde antiguamente los gitanos habían excavado cuevas y vivían dentro de estas cuevas. Hoy en día no hace falta vivir dentro de estas cuevas, tiene piso y apartamento, pero guardamos alguna de estas cuevas. Monument, and when the sun comes down in the afternoon, everything takes a red color, and it's why the Muslim call it the red one, Alhambra. The second hill it's calling the Sacramonte. It's where the gypsy guys make the caves inside the mountain, and they were living inside those caves. Today they doesn't need to live anymore in those caves, but we keep some of those one in the smaller one to make some souvenir shop of workshop for artesania. And in the biggest one, we're making what we're calling in Spanish Tablao Flamenco. It should be a cabaret where you can listen, watching and appreciate that beautiful, typical Spanish art calling Flamenco. And there is one special dance here calling the Zambra,
Z-A-M-B-R-A. It's normally a dance that you're making when you go to Marriott, but now they're taking it in the folklore of Granada, and it's really wonderful to see that. That's for the second hill. And the third hill, it's called Albaicin. It's just on the other side of the Alhambra, and it's where all the very important people were living when the Muslim war here in Granada and in the Alhambra. And from the top of the hill, they're starting to build direction to the river, to the Genil. They're starting to build slowly on all the house, and so they're starting to make that down. It's a very particular quarter from the town, very nice to visit, with the small street, white house, beautiful balconies full of flowers and plants. And those are the three hills that we had here in the starting point from Granada. Alhambra, Sacramonte, Albaicin. Eh bien, mesdames et messieurs, le départ de la ville de Granada fut commencé et construit entre trois petites collines. La première, c'est cette fameuse Alhambra, hein, qu'on va visiter tout à l'heure. L'Alhambra, ça vient de l'arabe, ça veut dire la rouge. C'est pour la couleur des pierres qu'ils ont utilisées pour construire ce monument. Et lorsque le soleil descend en fin d'après-midi, tout prend une couleur de feu ou tout prend une couleur rouge. C'est pour ça que les musulmans l'ont appelée Alhambra, la rouge. La seconde colline, c'est le fameux Sacramonte. Le Sacramonte, c'est là que les Gitans avaient creusé dans la montagne des grottes et ils vivaient à l'intérieur de ces grottes. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de vivre là-dedans, ils ont leur maison, leur appartement. Mais on a gardé certaines de ces grottes les plus petites pour faire des magasins de souvenirs ou des ateliers d'artisanie. Et dans la plus grande, on les a transformés en ce qu'on appelle en espagnol tablao flamenco. Les tablao flamenco, ça serait plutôt un cabaret où vous pouvez voir, écouter et apprécier cet art très particulier. C'est la Tunis, Buslimese, bis Einurdreisin. In un momento andiamo nel centro della città, al lato del fiume che si chiama El Genil, en el paseo del Salone a la biblioteca pública, dove vamos a dejar el pullman. Si lei voglio guardare qualche cosa in el pullman, puede hacerlo, pero no olvidar que el pullman no se ve hasta la 1:30. Y per la gente que tiene el picnic, tiene que correrle consigo. Entonces, el pullman se va afuera de la ciudad. Le parc des sciences à notre gauche. El parc de la ciencia à la izquierda. The science park on Jacareda. Astronomy garden. Pues en un momento vamos a pasar al lado y debajo de un edificio en mármol verde. Es el famoso palacio de muestra y de congreso de la ciudad. In one moment we will pass near and under a green building in green marble. It's the exhibition and congress hall of the town of Granada. Dans un instant, nous allons passer en dessous et à côté en même temps d'un immense bâtiment en marbre vert. C'est le palais des foires et expositions de la ville de Granada.
In einem Moment kommen wir zu einer großen Brune gebaut. Das ist die Ausstellung in Kongresshalle von dem Stadt. In un momento andiamo in un edificio verde, di marmo verde, e questo è il Palazzo di Mostra e di Congresso della città. Now for the moment it's 13 degrees centigrade outside. That means that we will have around the 20 degrees on midday. Il fait 13 degrés au dehors, donc ça veut dire qu'on aura à peu près 20 degrés à mi-journée. 13 grades in dem Straße for the moment. 13 grados por moment afuera. La calle. Ya se están poniendo dos. Ça dépend des endroits, madame. Dans les rues, normalement, ils sont fermés, ils ne sont pas mangeables. Hein, mais si c'est dans les les autres sont de décoration. Pas de décoration. Il y a quand même assez vivant dans la ville, avec 40 000 orangères. Il y a une compagnie britannique qui vient une fois par an pour les acheter pour les configurer de même là. C'est ici que nous allons descendre. Here we will leave the coach in a few seconds. Ladies and gentlemen, that's the Paseo del Salon. C'est le Paseo du Salon, la CIS di Paseo del Salon. Resting in 13 minutes, 10 to 11. I will be in the middle of the road over there.
Sanjay, look at this picture down there.
paper inside. We need it with a spoon. And the taste is between the banana and the bean. Moi je l'ai acheté ici, là, à côté de Poly Mariscal, c'était un magasin de pêche d'affaires. Des grandes bruits, right? Des grandes bruits, c'est bien, des grandes bruits. That the mountain with an ice, the Sierra Nevada. Probably you won't get it. Okay.
Bueno, aquí estamos en el paseo del casino. Mercedes-Benz taxis. We saw him dance like that.
Thank you.
your mustard, if you have that. Vamos ahora por la Plaza Antigua, a la Plaza Rambla, que era antiguamente en el tiempo de los árabes, el mercado. Hoy es el mercado de las flores. También hay muchos terrazos donde la gente puede levantar los mandatos. Y hay una especie de piso dedicado a
This one used to be an Arabic market in the undertown, now it's a flower market. Now it's a flower market. Alors ici, nous sommes donc sur la place du Tremblat, comme je vous l'ai expliqué avant. Ce que vous allez voir ici, là, c'est l'ancien marché. C'est le lake pedestal and that is a nice artwork. Vous allez avoir...
because atmospheres will have a very important and big monument. The main entry to the cathedral. And it's very surprising when you see that with atmosphere. Una vez que pasamos por este callejón, sorprende mucho porque vamos a tener la entrada principal de la catedral. Y entonces sorprende mucho. I'm following the judge. I'm following you. Cathedral. Now that's a cathedral of the 16th century, but it was built by Siloé, and in the beginning they're making a plan with two towers for 88 meters. They're making a half tower, 55, and that's it. The second one they never finished, the first one they never finished, and they never made the second one. But you will be surprised when we come in there both, and one day it's two churches together. One is a cathedral from the 16th century, and the other one, just next, is El Sagrario from the 18th century. And it's one big monument, and it's two different churches. Alors ici, nous avons la cathédrale qui fut construite par Siloé au 16e siècle. Au départ, elle devait avoir deux tours de 88 mètres, il y en a qu'une qui a été faite jusqu'à 55 mètres. Et là, vous allez être très surpris car vous allez enlever là-haut. Vous avez besoin qu'il y a deux églises côte à côte. On a l'impression que c'est un seul bâtiment, mais ce sont deux églises différentes. La cathédrale du 16e siècle et le Sacrario qui est là. Alors, a questa è la cattedrale, l'uomo del siglo XVI, costruito per Siloé, che tenia due torri da 88 metri, solamente tiene uno di 55, la seconda non l'ha fatto. E dopo vai a sapere una cosa molto particolare, a cui arriva che con un solo minuto la cattedrale del siglo XVI e dopo il sacrario del siglo XVIII. Now, ladies and gentlemen,
They say that they'll bring you lager for free. They take your hand, they're starting to say your futures, and then they will ask you money. But don't, it's too small. Then they will some bills and they help you to find them.